Hey salut tout le monde, c'est Zedion et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série. Entre autres, je vais vous expliquer tout le concept. Bienvenue donc pour l'épisode 1 de Zedion Map de la saison 1. Donc je vais vous expliquer le concept de Zedion Map pendant que je fais en même temps le petit tutoriel qui va être devant nous. Alors, attendez deux secondes, donc soutenez-moi, nana, suivez, nana, franchir, nana, bonjour et bienvenue dans... Ah, attendez, donc avant de commencer, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que Zedion Map et la merci la 1.8 qui est totalement buggée, apparemment. Bon, alors Zedion Map, c'est quoi? C'est une nouvelle série que je vais faire sur la chaîne, une série que j'ai déjà fait sur mon ancienne chaîne, mais je la reprends. Tout simplement, en fait, eh bien, je vais faire tout le temps cette série sur des maps. Et pas n'importe quelle map, ce seront les maps que vous, abonnés, me proposerez en commentaire, en mail, en tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ces maps, elles peuvent être de n'importe quel type. Ça peut être des maps très connues, des maps moins connues, des maps que vous ayez faites vous-même. Donc si, d'ailleurs, c'est ce qui me réellerait le plus, c'est que ce soit vous qui ayez fait les maps, pas forcément pour moi, mais si vous avez des maps faites que vous avez fait comme ça un jour, je les testerai. Pourquoi pas? Après, il faut voir si elles me plaisent aussi, parce que bon, voilà, faut bien que ça me plaise d'un côté aussi. Enfin voilà, donc le but de cette série, ça va être simplement de jouer sur des maps. Et aujourd'hui, nous retrouvons donc sur la map que j'ai choisie du coup, parce que ces shaders sont moches, non, je déconne. Parce que, eh bien, oula, ok. Que j'ai choisi tout simplement parce que, eh bien, c'est la première saison, donc je pouvais pas vous demander. Et il s'agit de Beyond the Hold par Erk. Dont le lien sera dans la description de la vidéo. Alors ça, minimum ou le plus bas possible. Ah mais avec les shaders, ça va pas être possible, mon coco. D'ailleurs, on va les enlever les shaders, c'est trop sombre. Donc voilà, donc ça, c'est ça. Être attentif au message, nanana, ça c'est bon. Ok, donc il y a 128 émeraudes à récupérer. Et... vous retrouvez dans votre écran tout blanc, il suffit d'enlever puis de remettre votre casque. Ok. Si vous vous retrouvez avec plus de musique en même temps, il suffit d'enlever puis de remettre le son du jeu afin de tourner, vous serez récupéré. Ok. Donc, ok. Donc là, c'est bon. Alors, ça, c'est pour voir si ça marche bien. Sauter tout le tutoriel. Alors, non, on va faire le tutoriel quand même. C'est parti. La honte. Alors. Mince. Quoi? Ah, attendez, j'ai pas lu le livre. Attendez, on va le relire le livre. Hop, alors en fait quand on ouvre ça, ça nous donne le livre, la honte. Pour ne pas avoir à tricher, la carte possède un système vous permettant de pouvoir passer les énigmes ou obstacles qui vous semblent trop durs. Il s'agit des boutons jaunes se trouvant à chaque épreuve. Cependant, chaque utilisation augmentera votre honte. Pour l'exemple, ce passage vous est impossible, vous êtes donc obligé d'appuyer sur le bouton de la honte. Ok. D'accord. Alors, ça c'est bon. Donc là, faut appuyer là. Ok. Coffre et sauvegarde. Alors, certains coffres vous donneront automatiquement des objets, soyez donc attentifs quand vous en ouvrez un, gardez toujours l'emplacement de libre dans votre inventaire. Les boutons bleus sont des points de sauvegarde, pensez à sauvegarder souvent. Alors, hop, c'est une checkpoint. Oh là! Oh là! Ça commence déjà là. Ça commence déjà, bon. Objet posé. Ah! Non! Non! Comment il a fait ça? Ah non, mais comment il a fait ça? Oh, c'est trop bien fait! Alors attendez, objet posé, vous trouverez au fil de l'aventure des objets posés à certains endroits pour les prendre, il suffit de faire clic droit dessus sans rien avoir en main. Ah oui, oh, non sérieux, c'est vachement bien fait. Hein. Ok, la suite. Puzzle et énigme. Puzzle. Utilisez les boutons pour obtenir les cartes spéciales qui seront numérotées puis les placer dans les cadres. Positionnez et tournez les cartes pour obtenir une image unie et validez ensuite avec le déclencheur. Attention, les parties ne seront pas dans l'ordre dans le puzzle final. Si pas bien garde, vous cassez un cadre, un coffre à proximité vous en redonnera. Pour cet exemple, il manque un cadre qui ne sera placé. Un cadre au centre qui ne sera plaçable qu'ici. Alors, hop, j'ai le truc. Tac, tac. Partie 1. Ok, faut mettre comme ça. Partie 2. Ah, c'est Minecraft. Mais comment? C'est génial. Bon, ça c'est un. Ouais, ok. Alors, énigme. Ah non, c'est là. Les énigmes, ouvrir le coffre et contenir. Mettez le place. Ok, mettez le papier dans l'enclume et le renommez pour écrire votre réponse. N'écrire qu'un seul mot et tout en minuscule. Posez le papier renommé dans le coffre de l'énigme, se validera toute seule. Pour ce tutoriel, l'énigme sera à quel jeu êtes-vous en train de jouer.
Eh bien écoutez, c'est une bonne question Jean-Pierre, je dirais Minecraft. Comme ceci. Non, pas Minecraft. Non, toujours pas. Voilà. Ah, pourquoi je suis impuissant. Et hop, on met ça. Bonne réponse. Ok, avec le petit. Hein, hein. Ok, ensuite. Et ben voilà. Cube... Ah non, test réussi. Cube mobile, what? Alors attendez. Le cube mobile, vous trouverez un cube spécial, celui-ci déplaçable. What? Poussez le cube sur la plaque de pression. Attendez, vous êtes pas sérieux là? Non! C'est. Non, sans deck! Comment? Fin de tutoriel, bravo, vous pouvez maintenant commencer l'aventure! Et ben c'est parti! Ok. Voici un rappel des spécificités de cette map. Ok, code couleur quoi? Sauvegarde, ok. Ok, bon. Alors, oula! Donc, clic droit. Oh, c'est génial! Oh, j'adore! Comment? Ah oui! Oui. Oula! Attention, c'est calme. Hein. Mon journal. Captif, échoué, abandonné, assoiffé. Mis à l'épreuve pour me retrouver de nouveau prisonnier. Je ne puis dire, après tous ces tourments et une fort belle chute qui m'a fait perdre le peu d'équipement que je possédais, comment je me retrouve encore coincé dans cet antique dédale, moi qui vivais paisiblement il y a peu. Je ne sais pas si je dois me réjouir d'être encore en vie ou m'inquiéter du sort qui m'attend. Alors que je me croyais enfin sorti de ce temple maudit, je me retrouve victime de mes propres choix, toujours prisonnier entre ces pierres. Mais bon sang, que me veulent-elles? Oula, j'ai mal. En plus de ces ruines étranges, j'ai entendu tout à l'heure une voix terrifiante venant de l'ouverture du plafond, celle de mon ancien geôlier, Edward, dit le barbe sanglante, le capitaine du bateau pirate qui m'a amené ici. Fou de rage en me voyant en vie, il a jeté un bâton de dynamite qui a bien failli me tuer, tout en provoquant par la suite un tremblement de terre. Par chance, il s'en suivit un éboulement, me donnant ainsi accès à l'air libre. Je pourrais sûrement me hisser grâce à ces lianes. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà? Déjà, on va voir s'il n'y a peut-être pas trop d'objets un peu à droite à gauche. Un petit, des petites émeraudes là, tout ça, non? Ok, donc là, ça commence. Alors, nous sommes apparemment. Nous avons été prisonniers par un pirate. Et le pirate a tout fait péter. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Après, je comprends peut-être mal. Oula, il y avait quelque chose là-dedans, non? Non? Ok, non. Ok, c'est que moi. Alors, on va aller voir là avant d'aller voir les lianes. Je fais tout ce qu'il faut pas faire, bien sûr. Ah ah! Un coffre avec une émeraude. Allez, encore 127! Wouh! Bon, Putain, j'aimerais bien envie de tester si je prends les dégâts ou pas. Ah oui, bah oui, ok. Comme ça, c'est fait. Je prends le pain. Alors, ok, bah écoutez, après tout, ici ça a l'air pourri. On voit un truc en haut. D'accord, donc c'est ok. Bon. On va donc monter avec les lianes et une grande aventure nous attend. Ok. Alors ça, mais c'était épique quoi. Hop. Pourquoi? Pas de double jump quand même. Ah ah. Oui. Non. Oui. Non. Ah. Foutu les lianes de Rush Up Rock. Rush de proc, oui, exactement. Ça ne veut rien dire. Ok. Attendez, on va se concentrer. Voilà. Allez, on grimpe. Ois. Et une belle aventure nous attend en haut de ce trou. C'est pas ce qui nous attend. Hop. Et hop. Hop. On y est presque. Bientôt à la sortie. Oh. Voilà, donc comme vous l'avez vu, je mets du shader. Ok. C'est quoi ça? Ah oui, c'est les musiques. Attendez, on va mettre mon phare par contre. Wow. Et on va aussi activer la. Non, c'est. Si, on va mettre la mini-map, mais pas comme ça. Voilà. Comme ça. Ok, bon. Écoutez, il me semble qu'on doit aller que par là. Donc on va y aller. Après tout, on n'a pas de direction imposée. Waouh, c'est magnifique. Avec la musique et tout, mais... Oh, on va se plaire sur cette map. Avec de très belles musiques créées par Erk lui-même. Enfin, je crois.
En tout cas, bravo à toi, Erk, c'est une magnifique map que tu nous offres là. Et c'est un immense honneur de pouvoir jouer sur cette map. Bon, place à l'aventure. Donc, nous sommes sur une île. Nous avons une épée. Attendez, je sais pas, les animés, comment est-ce qu'on avait. Le guide, on va le mettre là. Le journal, on va le mettre là. Et on va faire comme ceci. Elle est incassable, l'épée, d'accord, ok. Bon, mon pain n'est pas incassable, lui, par contre, heureusement. Ok, donc ça bouge. Là-bas, il y a un chemin. Faudrait qu'on aille voir, il y a une petite cavité là-bas. Et là-bas, oula. Eh bien, écoutez, là-bas, je vous dirais qu'il y a plein de choses à découvrir sur cette île. Allons-y. Wouh. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on... Wouah, wouah, attendez, boîte. C'est quoi ça? Attendez, c'est quoi? Un crabe? Si je... Ah, wow. Oula. Bon, ça, ils font des bruits bizarres. Les... Oh mon dieu. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, mais c'est génial. Des crabes, quoi. Il y a pas de mode, hein, je précise. À part ceux que j'ai là, les shaders et tout. Mais il y a pas de mode obligatoire avec la map. Hein. C'est tout en vanilla. Et c'est tout génial. T'as compte qu'ils font mal, les crabes. Oh. Mais si je vais défoncer par un crabe. Putain, c'est quoi ça? Attendez, on va aller voir ce que c'est que ça. Putain, mais la musique et tout, mais... Oh. Mince, ces marches se sont effondrées. Il doit y avoir un passage dans cette grotte en bas. À moins que je puisse escalader cette falaise avec toutes ces lianes. Mm-hmm. Alors là, on a déjà un choix. C'est un RPG, en fait. Bon. Aïe. Avec les lianes... Bon, il me veut rien. Il me veut plus rien. Tu me veux rien? Dinner bonne. Bon, après tout, voilà, il pouvait pas tout faire non plus. Mais c'est pas mal. J'apprécie beaucoup cette map. On va écouter, on va aller voir dans la grotte. Il fait sombre. Hop. Ah, oula. Oula, c'est quoi ce truc? Journal de bord. Il me semble. Hein? Il me semble délus qu'on a largué les amarres et je me retrouve chargé de tenues. Fichu journal de bord de Sraphio, car le capitaine, il dit que je suis celui qui cause le mieux. J'ai préféré être becté par le Poiscaï, mais bon, le capitaine, il est plus en plus ma boule et je me risquais pas d'asticoter. De toute façon, je parie que je suis le seul qui sait lire et écrire, alors j'y mets ce que je veux. Pour la petite histoire, on a appareillé parce que le capitaine Edward a déniché un garde au trésor. Un de ceux qui ont du calibre et qui nous permettrait peut-être de se la couler douce jusqu'à perpète. Mais on commence à tous faire du mouron. Voilà pas qu'on commence à manquer de bateaux et de vivres. Il y en a bien 4 ou 5 qui ont commencé à se mutiner. Ils ont vu les poissons, eux. Mais le capitaine, il démord pas. Il veut son magot. Je me demande bien s'il existe, tiens. Salataire, on l'a trouvé. Salataire ? Salataire, on l'a trouvé. On s'est même encastré dans un rocher. Le Rafio et les foudus. Tout ça pour un îlot pas plus grand qu'un bouchon. Mais le capitaine, il dit que je suis juste à côté. Que c'est juste à côté. On a pris les chaloupes et on a débarqué sur une île. On n'est plus que toi aujourd'hui. Les autres se sont éclipsés pendant la nuit. J'aurais dû les suivre. Le capitaine, il me foulait les foies maintenant. Je pense qu'il veut pour lui seul son magot et j'ai peur qu'il se débarrasse de moi et John. Je me suis levé tout seul à l'aube. Sont partis sans moi. J'ai le bide comme du feu et j'ai chopé la tremblote sûre qui m'a empoisonné comme le ferait une donzelle ruffian. Je pense que c'est la fin pour moi. Arbogast Valbert. Oh non! Mais c'est trop triste! Arbogast! Luc! Ok, c'est. Ok! Non! Oh merde! C'est triste! Ça, c'est pour sauvegarder. Attendez, c'est pour sauvegarder ça? Oui, violet, c'est sauvegarde. Hop! Ça a rien mis. Ok, je remets. Ok, bon! Alors, du coup, où c'est qu'on va aller? Bah, du coup, il y avait rien en fait dans cette grotte. Il y avait rien. Attendez. Oui on prend feu, oui. Putain, je compte. Oula. Bon, j'ai fait un magnifique accent de rien du tout. Bon, on va aller voir ce qu'il y a là-bas derrière. Oula, on se calme, hein. Les petits pigmen là. Mais la musique, quoi, mais ça rend bien. On est un peu ébloui quand même, on voit pas grand chose. Et je pense qu'on peut explorer. Du coup, je pense qu'on peut monter en fait. On va reprendre notre. Là où on en était, et on va tenter de monter la montagne. Attention, super drôle. Toc, toc, toc.
Oui, monter la montagne, bref. tac, tac, tac. Mais c'est pourri ou c'est pourri ici, en fait? Ok, c'est pourri, bon. Il y a des spawners à crabe aujourd'hui ou quoi, là? De toute façon, moi, je fais des sushis, hein, des nems. Des nems de crabe, oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Et si on allait voir le bateau? Ou alors peut-être voir là-bas, non? Alors on va aller voir plutôt là-bas. Attendez, je suis sûr qu'il y a un moyen de passer. Peut-être par là. Peut-être par ici en vrai. Non, bah absolument pas. C'est triste. Au pire, on va aller voir le bateau. Du coup, ben oui, on va aller voir le bateau. Bon, ben écoutez, ça commence. Oh, attendez. Ah non, mais en fait, on revient où on était tout à l'heure. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Bah écoutez, pour l'instant, on est plutôt perdu. Hein. On est plus perdu qu'autre chose. Oh, le crabe, il fait un petit bain. Oh, c'est mignon. Bon, ok. En avant. Bon, par contre, le soleil nous aveugle. Nous éblouit plutôt. Est-ce qu'il va faire nuit? J'ai pas l'impression qu'il va faire nuit en fait dans cette map, donc tant pis, je vais pouvoir laisser Shader. Bon, le bateau il est là-bas, donc on va aller le voir. Bon, petit accéléré du coup pour aller voir le bateau, enfin ellipse, parce que là vous avez pour un moment à aller chercher ce bateau. Bon, nous sommes presque arrivés et je vois du vert, oh mon dieu. Et en vrai ce n'est pas le bateau ici. Tant pis, on va aller voir quand même. En espérant que ce ne soit pas un piège. Ok, une émeraude. On prend. Oula. Je sais pas où c'est que ça. Attendez, il nous faudrait un minecart. Où est-ce qu'on trouve ça, les minecarts? Ah, attendez, il va y avoir de l'exploration. Hop, bon. Ah, bah, pas du tout en fait. Ok. Bon, écoute, on va mettre des shaders. On va mettre ça. Voilà, choc épique. On va changer un peu. On va changer de temps en temps les shaders. Hein. Voilà. Bon, alors du coup, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais retourner là-bas. Et bah du coup, nouvelle ellipse quoi. Ah ah! Je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Bon, par contre, j'ai plus de bouffe quoi. C'est. On commence assez mal. Si Anne a l'air solide, je dois pouvoir grimper. Parfait, on vient de trouver. Après avoir fait tout le tour de la map, bien sûr. Ça juste pour une émeraude. Mais bon, pas de soucis. Ce serait bien d'avoir un peu de bouffe quand même, parce que. Et par contre, si je continue comme ça, je vais commencer à mourir. Attendez, et. Yes! Ok, bon, hop, on grimpe ça. Et normalement, ici. Oula! Attention, il y a des choix et tout à faire. Attention, c'est Spider-Man. Spider-Man. Hop. Ok, alors une musique Minecraft, je sais pas si c'est fait exprès. Mais tant pis, on va écouter quand même. Hop. Alors par contre, j'espère que je vais pas mourir. Oh mon dieu. Oh, vous êtes pas sérieux. Oh merde, oh non. Aïe, aïe, aïe. Non, moi pas vouloir mourir. oui, mais non. Ah, ouf, on meurt pas de faim. Ça, c'est une bonne chose. Attention. Non. Ah non, c'est bon. Hop. Ouh, fou, fou, fou. Ok, donc on est rentré. Alors ici, il doit y avoir un truc. Rien. Même pas de la bouffe. S'il vous plaît, donnez-moi à manger. Bon, ok. Eh bien écoutez, je pense les amis que ça va être la fin de cet épisode. Alors j'espère que cette nouvelle série vous plaît. Et pour rappel,
vous pouvez, en attendant, commencer déjà à me présenter vos maps, même si je vais d'abord finir celle-là, qui se finit assez vite et Minecraft bug totalement. Que je vais d'abord finir celle-là, mais n'hésitez pas à me proposer les vôtres, j'y jouerai bien sûr. Et donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à vous d'être encore là. Ciao tout le monde.